Bon, salut tout le monde. Donc aujourd'hui petite vidéo pour vous parler de ma popote zébra. Voilà, j'avais quelques trucs à vous dire à son sujet. J'ai beaucoup amélioré mon kit popote cuisine ces derniers temps, donc fallait que je vous en parle un petit peu. Je pense que ça pourra donner quelques idées à certaines personnes pour revoir leur kit cuisine par exemple. Voilà, donc ça fait quelques mois que je suis en train de refaire un petit peu mon sac de rando, on va dire. Je suis un petit peu en train de changer ma manière de voir les choses, on va dire. Là, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus costaud au niveau physique. Maintenant, à chaque sortie, beaucoup plus d'heures de rando, etc. On va commencer les treks de 2, 3, 4 jours. Voilà, chose qu'on ne faisait pas avant. Du coup, je suis en train de revoir tout mon sac, dont la partie popote, etc. J'essaye de m'alléger le plus possible. Donc voilà, je vais faire un petit retour sur ce matos-là. La popote zébra, donc moi j'ai la numéro 12, donc je vais vous faire un petit débrief sur la popote et ensuite un petit rétex et mes améliorations apportées. C'est parti. Donc la popote zébra en elle-même, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ceci. C'est une popote réalisée en inox. Alors, elle est composée de trois parties. Un couvercle, un bol et la popote en elle-même munie d'une anse pour la suspendre au-dessus du feu. Donc, pour ce qui est du diamètre, on est sur du diamètre de 12 cm. Et elle est déclinée en 4 formes, donc vous avez là 10 cm, 12 cm, 14 et 16 cm. Donc moi j'avais opté pour la 12 cm. Donc pourquoi j'ai pris le diamètre 12 cm? Parce que pour moi dans ma tête 10 cm c'était trop petit pour cuisiner, donc pour une personne. Niveau contenance, je pensais que ça allait être trop juste. La 14, ben, trop importante. Voilà, du coup ben, j'ai opté pour la 12 qui a au final ben, très bien fait le travail pendant 2 ans. J'ai pu cuisiner pour moi et 2 voire 3 personnes parfois grâce à cette popote. Elle est très fonctionnelle avec sa contenance de 1,5 litre pour son poids de 540 grammes. Voilà, donc j'ai pu bien l'exploiter. Elle est facile d'attache au-dessus du feu grâce à sa anse, comme je vous ai dit tout à l'heure, mais elle a plusieurs fonctions également grâce à son couvercle et à son bol. En fait, vous pouvez mettre de l'eau à l'intérieur, faire bouillir votre riz, votre semoule ou vos pâtes par exemple, et par dessus mettre votre bol, vos légumes et refermer avec le couvercle, ce qui donnera donc une cuisson vapeur pour les légumes. Donc voilà, ça fait double cuisson en une popote. Vous pouvez faire des pâtes pour 3 à l'intérieur. Vous pouvez aussi également vous servir que du bol et du couvercle à même les braises pour faire une sorte de poêle fermée pendant que par exemple vos pâtes cuisent dans la popote. Vous pouvez faire cuire de la viande à l'intérieur ou une sorte de sauce par exemple. Enfin voilà, niveau fonctionnalité c'était très intéressant. Niveau contenance pour 2-3 personnes également, sauf que maintenant voilà, je cuisine plus pour 2 voire 3 personnes. On est passé maintenant à des plats un peu plus simples à réaliser et individuels. Du coup c'est pour ça que je vais changer de kit cuisine et popote. Je vais passer à quelque chose de plus léger. Donc là on était à 540 grammes le tout. Je vais m'alléger bien plus pour pouvoir marcher plus et avoir plus de place dans mon sac. A noter qu'une fois suspendu, le bol à l'intérieur ne pourra plus sortir. Il sera donc compressé par la anse qui lui permettront donc de ne pas tomber
de garder les aliments bien au chaud à l'intérieur. Et si la popote se renverse, celui-ci donc aura remplacé le couvercle et donc l'eau et les aliments ne pourront pas tomber de la popote. Encore un avantage de la Zebra. Donc voici mon nouveau kit popote cuisine que vous avez sur la gauche. Donc il est composé de deux quarts en inox de la marque McKinley. Voilà, c'est une marque très classique, hein, rien d'exceptionnel. Que vous pouvez trouver en magasin, un peu partout dans les magasins de sport. Donc je vais vous expliquer tout simplement pourquoi je suis passé à ces petits quarts plutôt que la grosse Zebra. Enfin grosse entre guillemets. Tout d'abord pour le gain de place dans le sac. Voilà, c'est deux quarts qui sont séparés, donc vous pouvez les mettre un peu où vous voulez dans votre sac à dos. Les deux cumulés sont deux fois plus légers que la Zebra, si je vous dis pas de bêtises. Enfin, deux fois plus exactement, peut-être pas, mais la Zebra fait 540 et les deux cumulés sont à 220, il me semble. 220 grammes. Donc, ouais, on est à la moitié du poids. Ce que vous avez à l'intérieur en bleu, je vais vous montrer de suite ce que c'est et je vais vous détailler un petit peu plus la chose directement. Voilà, donc pour vous parler un peu plus précisément de mon nouveau kit popote. Donc comme je vous ai dit, il se décline en deux quarts en inox de la marque McKinley. Donc un petit avec une contenance d'environ 25 centilitres et celui-ci qui fait 75 centilitres à peu près. Donc les deux cumulés, on arrive à peu près donc à 1 litre de contenance environ. On va pas trop faire de chichi au niveau de ça. Donc pourquoi deux quarts? Pourquoi un petit et un moyen? Donc celui-ci en fait va me servir seulement à faire bouillir de l'eau pour le thé ou le café. Donc c'est tout ce qui est boisson chaude. Je le mettrai directement dans le feu, faire bouillir l'eau. Et ensuite, voilà, je me servirai mon café ou mon thé dedans et je pourrai boire avec. J'aurai plus besoin d'utiliser ma Zebra contenance 1,5 litre pour faire que bouillir un verre d'eau. Ce que je faisais donc avant, qui était super chiant. Parce que j'avais par exemple cuisiné avec. Et juste après, je devais faire bouillir mon eau. Donc il fallait que j'utilise de l'eau pour la laver, etc. etc. C'était super chiant. Du coup, j'aurai mon petit quart que pour le café et le thé, ça c'est bon. Et ensuite, donc ce quart d'une contenance de à peu près 75 centilitres d'eau me servira à tout ce qui est cuisine sur le camp. J'ai déjà fait le test, je peux faire bouillir de l'eau et faire cuire des pâtes pour une personne, du riz également. Grâce à ce quart, je peux cuisiner des légumes à l'intérieur. Enfin voilà, c'est pour une portion individuelle, hein, je parle. Voilà, c'est le top du top pour moi, bien sûr. C'est pas le kit le meilleur, le plus utile et le plus adapté à toute sortie, hein, pas du tout. C'est mon kit, voilà, que je me suis fait moi-même, qui répond à mes attentes personnelles. Et ça, donc pour vous en dire un petit peu plus, je l'avais déjà présenté dans une vidéo bivouac. Donc c'est le bivouac avec GG où on est parti à Courbon. J'avais emporté ça. En fait, c'est des petits pots en plastique qui s'emboîtent les uns les autres. À la base, c'est pour mettre de la protéine en poudre, donc pour la musculation. Et je m'en sers en fait pour mettre mes portions individuelles de riz ou de pâtes. Voilà, vous pouvez les diviser. Et en fait, une portion, c'est totalement imperméable, ça prend pas l'eau, ça craint rien. Et une portion est équivaut à un plat de pâtes ou un plat de riz, selon ce qu'on veut emporter. Et ça rentre donc parfaitement à l'intérieur. Donc là-dedans, en fait, j'ai deux repas copieux que je peux faire cuire là-dedans et qui est super compact à rentrer donc dans mon sac. Voilà. Et en plus de ça, du petit quart que je peux ranger un petit peu où je veux dans mon sac, plutôt que la grosse Zebra qui prenait vraiment une place importante à l'intérieur du sac et que je trouvais vraiment encombrante. Voilà, donc je vous ai un petit peu plus aiguillé à ce sujet.
Je vais vous faire juste un petit test vite fait. Je vais faire bouillir de l'eau dans la Zebra et dans le car sur du gaz à la maison pour que vous voyez en fait l'efficacité donc de ce car qui est égal à la Zebra. Voilà, c'est pas parce que c'est une popote on va dire de meilleure qualité qui est sans doute plus robuste que ce car qu'elle fait forcément du meilleur boulot. Voilà, je l'ai testé sur le camp, l'eau entre 10 et 12 minutes à peu près. Donc on va voir donc en condition idéale. Je pense qu'on sera aux alentours de 9 minutes voire 10 minutes pour mener donc l'eau à ébullition. Et voilà, je pense que niveau qualité et efficacité, on sera kiff entre ce petit car McKinley et la Zebra 12. Voilà. Donc voilà, mon nouveau kit popote pour mes gros bivouacs et trekking. Voilà, on va passer au test directement. Voilà, donc les deux popotes sont sur le gaz. J'ai mis dans les deux popotes 30 cl d'eau, exactement. J'allume le feu, je mets le feu à puissance égale pour les deux. Et je lance donc le chronomètre. Voilà. L'eau est à ébullition, ça y est, pour les deux popotes. Donc elles ont mis exactement le même temps donc pour que l'eau boue, 10 minutes et des poussières, à feu égal. Voilà, donc comme vous voyez, la Zebra fait très bien son travail, mais ce petit car en inox le fait tout aussi bien. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. Donc après ce test, vous avez donc bien pu voir que ce petit car est tout autant efficace que la Zebra. Et c'est pour ça donc que je vais changer mon kit. En partie donc pour la qualité du produit qui est égale à la Zebra. Peut-être un peu moins robuste, mais ça, en y faisant attention, il n'y aura pas de problème. C'est plus léger, c'est plus compact. Voilà, il y a plusieurs avantages à ce produit donc, qui ont fait que j'ai opté pour ça. Et aussi, comme je vous ai dit, parce qu'on est en train en ce moment un peu de changer de vision des choses sur la façon de bivouaquer. Voilà, on va maintenant partir beaucoup plus en randonnée longue et trekking que des petites randonnées de 2-3 heures comme on faisait avant. Donc on a besoin de s'alléger le plus possible, d'avoir le plus possible de place dans le sac et de confort aussi. Donc on essaye de changer nos habitudes, essayer de refaire nos kits, cuisine, couchage, etc. En achetant du matos ou en levant certaines choses dans le sac qui sont inutiles parfois. Voilà, donc là c'était un peu le retour sur ma Zebra tout simplement. Je vous ai donné un peu les points positifs de cette popote, parce qu'il y en a beaucoup, et c'est vraiment pas une vidéo pour descendre ce produit, bien au contraire. C'est du très très bon matos, je le conseille à toute personne voulant se lancer donc, dans les bivouacs. Après voilà, pour mon utilité personnelle, j'en ai plus besoin, c'est trop gros, trop important dans le sac. Donc voilà. À part ça, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, à la montrer à des collègues qui pratiquent aussi les bivouacs et qui ont besoin donc de petites idées
leur kit cuisine popote. Voilà, et laissez un petit commentaire si vous avez des questions à ce sujet. Donc si la Zebra vous intéresse, posez-moi des questions, pas de problème. Si vous voulez savoir encore plus mes ressentis sur ce matériel-là que j'ai utilisé pendant 2 ans, pas de problème. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et voilà, on continue dans ce lancer et j'essaye de varier un petit peu les vidéos pour vous montrer le plus de choses possible et de partager le plus de choses possible avec vous. Voilà, donc je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao les amis.